Nouveau point de vue. Les amis, écoutez, aujourd'hui déjà, premièrement, je suis debout. C'est vrai que comme ça, genre, je vois pas trop l'intérêt, mais... Je peux me déplacer comme je veux. C'est vrai que c'est toujours pas ouf. Du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au titre de la vidéo, on va faire un blind test comme on a pu le faire déjà sur la chaîne. Sauf que ce n'est pas un blind test. Déjà, premièrement, je vais pas m'éclater la bouche à bouffer du piment parce que... Bah, c'est cool, genre les 10-15 minutes de vidéo, mais genre... Bah, genre mes toilettes, genre, c'est pas ouf. Du coup, pour une fois, ça va être vraiment un blind test safe ou genre, juste, je vais essayer du coup le blind test sans qu'il m'arrive quoi que ce soit, vraiment. Et du coup, ce n'est pas un blind test comme les autres, premièrement, parce que ça ne va pas être juste un blind test, on va pouvoir écouter 10-15 secondes, on va faire... ça me dit quelque chose. Non. Du coup, aujourd'hui, ça sera un blind test spécial une seconde. Du coup, on va écouter juste une seconde de l'opening et on va devoir trouver avec cette bride, vraiment cette bride de seconde pour l'opening. Et écoutez, je me suis dit, bah, ça peut être cool et vraiment, on va pouvoir tester si on connaît vraiment un anime, vraiment un opening, juste avec un moment de cette OP. Donc voilà, écoutez, je blablate beaucoup, on perd pas plus de temps, on est parti. Alors, première écoute. Tokyo Ghoul, quand même. Ah, on a le droit à une deuxième écoute? Ok. Celui-ci était assez facile quand même. Attendez la deuxième écoute. Je vais m'insulter dès la deuxième. Je suis dégoûté. Putain, attendez. Ah, ça me tend. Putain, les classiques, c'est terrible. En fait, je suis pas doué. C'est pas le moment que je connaissais. En plus, j'ai déjà écouté l'OP plusieurs fois. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je l'ai. C'est ça le pire. Je suis débile. J'ai envie de dire free. Non, peut-être. Non! 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 Sakamoto Desuga. Oh, j'avais kiffé cet anime. Je suis déçu. Ouais, mais en même temps, c'est pas des moments, des OP que je connais aussi. À chaque fois, dans un opening, de toute façon, il y a toujours un moment qu'on kiffe plus que l'autre. Pour moi, il y a des brides d'OP où bah, j'oublie vraiment de ma tête. Genre, il y a que le refrain que je connais autre. Et là, je crois, en fait, sur tout l'OP, il y en a un, je crois qu'on a réussi. Un ou deux. C'est horrible, vraiment. Horrible, c'est waouh. Ah non, je connaissais pas. Non, c'est bon, j'ai mon excuse. Je connaissais pas du tout l'anime. Je vais passer pour un mec en fait qui connaît rien du tout aux animes. C'est terrible, c'est horrible. Je suis frustré. À un moment, je sais pas, j'ai pensé à Naruto. Je suis perdu. Je connais pas non plus. Je dois aller dans la foule, je sais pas, Gintama, aucune idée. Mirai Nikki, yes. Attendez, on peut essayer genre un autre blind test, genre une seconde. Ok, j'en ai pris un autre. Peut-être qu'on va avoir pas plus de chance, mais avec d'autres animés aussi un peu plus confondus. Alors dans l'ancien qu'on a fait, il y avait au moins facilement genre 5 animes, je crois, que je connaissais pas du tout. Voilà, c'est pas vraiment drôle non plus, quoi. Oh putain, Angel Beat, je crois. Ah oui, j'avais même pas vu, on a un décompte. Du coup, ah, c'est bon, on a un décompte de 10 secondes. Pour moi, je crois que c'est Angel Beat. Ça y est, je me sens tellement mieux. C'est ouf quand on arrive à trouver l'OP, c'est... Waouh, c'est un soulagement. SAO. Ouais, j'ai bugué. Ouais, c'est Sword Art Online, je crois que c'est l'opening 1 en plus. J'ai retrouvé mon sourire, je me sens tellement mieux. Bon, j'avoue, celui-là, il était facile. Naruto. Bien sûr, c'est SNK, Shingeki no Kyojin. Et je crois en plus que c'est aussi l'opening 1. Yes. Nanana. Death Note. C'était grave violent ce que j'avais fait. Death Note du coup. On est bon. Évangélion. Je crois que c'est ça. Yes.
Attends, juste la réécouter une fois. Ça me dit grave quelque chose. Au début, je commençais à partir sur du Aono Exorcisme, mais je pense pas que ce soit ça. Ah non, putain, j'ai... J'ai stressé. Anohana, non, pas du tout. Non, là, j'avoue que celui-là, il est trop simple, genre, c'est simple. Le nom de l'anime, il est carrément dans le titre, donc... One Punch Man, quoi. Là-dessus, j'avoue, il y avait, genre, zéro difficulté. Oh, ça m'énerve. J'avais déjà écouté l'OP plusieurs fois. J'ai pas regardé l'animé, mais j'ai écouté l'OP plusieurs fois. Ah, on l'a eu dans l'ancien, le premier, c'était Tokyo Ghoul. Mirai Nikki. Waouh! Oh la vache! Oh putain! Oh, je suis parti chercher loin là! No game, no life. Je crois que c'est no game, no life. Oh, la pression, elle est descendue d'un coup. Je connais. Oh, je sais. Oh, je vais m'insulter. Tout à l'heure, il est passé aussi. C'est horrible. Ok. Non, celui-là, ça va. Vu que je kiffe absolument l'OP, c'était l'opening 1 de My Hero Academia. Nanana. Oh, ça m'énerve. Attendez. Nanana. C'est horrible. Oh, je... Ça m'énerve. Putain. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Alors là, zéro idée. Putain, je devais regarder ça, et en fait, j'ai jamais regardé. Oh, je connais. Les mots ne sortent pas, c'est horrible. Je n'ai jamais regardé l'animé, honte à moi, mais je connaissais l'OP. Aucune idée. Klanai. Alors, je connais deux noms, j'ai jamais regardé pareil. L'OP, bah, du coup, c'est vraiment pas un anime en soi qui m'intéresse. Pourtant, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il était pas mal. Mais c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Ta-na-na. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est IQ. J'hésite avec un autre, mais. Putain, vous voulez. Oh, c'est horrible, vous voulez dire Shogeki no Soma. Oh, c'est horrible. Oh. Avant-dernière OP. Oh, c'est horrible. Oh, je vais pas finir sur genre un truc tout pourri, vraiment. Mais c'est pas un opening. Mais c'est un thème, Your Name. Bon, maintenant, oui, j'ai vu Your Name. Là, ça me dit quelque chose, mais bon. Putain. Oh, putain, ça... Attends. Attendez. Non, je l'ai. Je refuse de terminer là-dessus. Je sens que je vais dire une connerie. Aono Exorcist. Oh, yes. Wow. J'essaie juste pas finir sur genre sur une loose. Fouh. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Bah en fin de compte, je pensais être un peu meilleur que ça. C'est vrai qu'il y avait plein d'animes que je suis tombé dessus, bah que je connaissais pas vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de points vous avez eu. Je verrai du coup si je mets un système de points ou pas dans la vidéo parce que peut-être que j'ai absolument la flemme. Parce qu'en fin de compte, genre j'ai pas du tout compté les points, je sais même pas combien on en a écouté. Mais en tout cas voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était vraiment. Voilà, c'était vraiment une détente. On s'amuse, on essaye de voir à peu près si on. Peut connaître un opening juste avec une seconde. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si peut-être vous voulez que j'en fasse un autre avec bien sûr d'autres OP. Et puis peut-être, je sais pas, derrière, je mettrai un challenge. Je sais pas si vous voulez que je fasse ce style de vidéo à plusieurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien sûr à me le faire savoir avec le petit pouce bleu. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre la cloche de notification, à me suivre sur mes réseaux Twitter et Instagram. Et puis écoutez, je vais vous dire en bougeant librement, c'est grave nul. Je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo et comme d'habitude. Bye. Blazing on the track, boy.